אבי שבשמיים אלוקי הרחמים מתוך הנשמה קורא. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On doit savoir, on a parlé de ça plusieurs fois, de notre travail, c'est constamment se renforcer la connaissance et les idées. Chaque seconde qu'on respire, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui derrière chaque chose. Il n'y a pas à tomber dans la Emouna. Parce que ce monde, il fait tout pour qu'on tombe dans l'émouna. C'est quoi les tzara, c'est quoi les safek, c'est quoi les doutes, c'est quoi les tristesses, la peur, les pensées, c'est que tu t'éloignes d'Hachem. Le problème, c'est que si tu te mets dans ta tête l'idée que tout, c'est Akadosh Baruch Hu, alors tu es constamment connecté. Nous, les femmes, c'est facile pour nous. Regarde, quand tu vois la machine à laver les linges, la machine à laver les vaisselles, les micros, les frigidaires, les brushings, les ordinateurs, tu comprends que tout, ils sont, comment ils marchent? C'est l'électricité qui leur donne. Maintenant, où on peut tomber quand tu vois un téléphone sans, comme ça, un téléphone portable, tu dis, ah, oui, lui, il n'a pas besoin d'électricité, hein? Mais c'est ce que tu crois. Il faut savoir que dès qu'il finit les charges, qu'il a chargé après dans l'électricité, il va, lui aussi, il va s'éteindre. Même quand tu vois quelqu'un qui est dans le désert, il n'y a pas d'électricité, mais il peut toujours se recharger son téléphone avec une autre charge. Donc, toute cette recharge, recharge, À la base, ils étaient connectés à une électricité. Quand ça finit, ils n'auront plus rien. La même chose, tout ce que tu vois dans ce monde, que ce soit les poissons, l'oiseau, l'animal, les êtres humains, le soleil, la terre, la lune, les fourmis, tout, il y a une présence divine qui le fait, qu'il vit cette chose. Et dès qu'il n'y a pas, il ne va plus vivre. Donc, quand tu vois quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un qui te fait du bien, et l'argent que tu gagnes, l'argent que tu ne gagnes pas, la santé, tout, tu dois lier à Vaya, à Elohim. Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, on a dit plusieurs fois. Ça veut dire qu'il était, il est là, il sera là. Il est, il était, il sera là. Donc, tout le temps. Elohim, c'est Baal Kol HaKochot, c'est qu'il a toutes les forces. Tout ce que tu vois. Notre travail, c'est lier tout ce que tu vois dans la vie, dans la journée, quand tu respires, chaque seconde qui passe, que quelque part, partout, tout ce que tu vois, tu dois connecter Elohim à Havaya. Pourquoi on fait? On a parlé de ça plusieurs fois chez Ma Israël, quand on fait les matins et les soirs. Quand tu commences ta journée, n'oublie pas de lier tout. Quand tu vas dormir, quelqu'un t'a énervé, pardonne, il y a tout ça, la volonté d'Hachem quelque part. Donc arrange ta conduite, pense comment tu peux t'améliorer. Ne veux personne parce que tout c'est des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Donc derrière tout, il y a Akadosh Baruch Hu. Derrière tout, il y a Hachem. Donc c'est ça notre travail non-stop. Quand tu t'es loin de cette idée, tu peux tomber donc plein de choses, parce que tout un coup, tout est hasard. Donc s'il n'y a pas Hachem, donc je suis livré à l'hasard de la vie. Donc si je suis livré à l'hasard, c'est vrai que tout me fait peur. Tout, je m'inquiète. Pas de ce qui se passe dans un an, dans un mois, dans une seconde, je m'inquiète. Parce que si je suis dans l'hasard, donc l'hasard, c'est les microbes, c'est les choses, c'est la vie, c'est plein de choses. Mais si tu es lié, que chaque respiration, c'est Hachem. Kol aneshama ta'alelia, alléluia. Mais un neshama, mais un neshima, c'est tout lié avec Hachem, qui te donne à respirer, qui fait que tu vois, que tu entends, que tu réfléchis, que tu manges un morceau de pain et ça devient des sons et ça devient une pensée, c'est un monde. Donc le Tzara, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas que tu penses à tout ça, il ne veut pas des pensées sérieuses et directes. Il veut te faire tomber, il veut que tu t'inquiètes pour ton zivug. Est-ce que tu auras un bébé? Est-ce que tu vas te marier un jour? Est-ce que tu vas être riche un jour? Est-ce que tu vas gagner bien ta parnassa?
Est-ce que tu auras la parnassa bichlal? C'est ça qu'il te met dans la tête. Et même quand tu as tout, il va te mettre des pensées, peut-être tu vas les perdre. Hein? Ah, tu as bonne santé, peut-être tu vas être malade. Chaz vechalila. Abotech b'Hashem chesed yisovevenu. Celui-là qui fait confiance à Hashem. Toutes les confiances et emouna b'Hashem. Le chesed, il entoure de droite, de gauche, de haut et de bas. Mais celui-là qu'il met Hashem de côté. Il travaille que sa logique. Il nourrit les Yetzara, il nourrit les Satan, il nourrit toutes les mauvaises choses non-stop. C'est normal qu'il a peur de tout. Il est pas calme, il est jaloux, il s'énerve, il tout. Donc notre travail, c'est constamment. Quand on dit Shivit et Hashem le Negdi Tamid, je mets Hashem face à moi. 24. אבי שבשמיים, אלוקי הרחמים, מתוך הנשמה קורא אני אליך. שכחנו את הדרך, גם טעינו לפעמים, אל תעזוב אותנו, אנחנו ילדיך. אתה האבא שאוהב, איתנו כשכואב, אני קורא לך האבא שבלב. ריבונו של עולם, אני רק בן אדם, כמו אורח אני בא ממך ולך אחזור. ריבונו של עולם, מה קרה לעולם? עד מתי אלוקים את נפשנו נמסור? ריבונו של עולם, אני רק בן אדם, כמו אורח אני בא ממך ואליך אחזור. ריבונו של עולם, מה קרה נפשנו נמסור? עוצם את העיניים, עוצר את הכאב, ולא רוצה לתת לרצף לנצח. תפילה אל השמיים עולה מתוך הלב, יש בנו חרטה ורק אתה סולח. אתה האבא שאוהב, איתנו כשכואב, אני קורא לך אבא שבלב. ריבונו של עולם, אני רק בן אדם, כמו אורח אני בא ממך ואליך אחזור. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.
מה קרה לעולם? עד מתי אלוקים את נפשנו say